Salut, c'est Clone, et me revoici sur mon aventure sur Forager. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai gagné 4 points de compétence. Il me semble peut-être plus hein, par rapport à ma dernière vidéo. Et j'ai voilà, grandement gagné. Grandement gagné, c'est quel est le français. J'ai gagné énormément du moins de pièces. Hein, je suis à 2500 pièces. Alors, tout simplement parce que j'ai laissé, comme je l'avais dit, tourner mon jeu en écran réduit. Hein. Et voilà, ça m'a fermé tout seul. Ça m'a fermé tout seul mon minerai, et puis bah de temps en temps, je venais là, et puis vous voyez, là, je peux faire pas mal de lingots d'or, là, par exemple. Là, pareil, je peux faire pas mal de lingots de fer. Oh, par contre, il faut que je fasse... Vous voyez, par contre, ça, c'est un petit souci... c'est que les gelées là on spawn à foison et comme je n'ai pas encore je n'ai pas fait l'arc je vais être un petit peu dans le caca hein, comment dire, oui c'est exactement ça, je vais être dans le caca si je vais par là parce que je vais me faire instant kill, ça c'est clair. Alors aussi donc par rapport à ces pièces, je vous avais demandé pour choisir un terrain. Alors, par contre, j'ai pas du tout préparé ça, quoi. Hein, tellement je suis professionnel dans mes vidéos. Hein. J'ai pas du tout... Je sais qu'on m'a parlé de sud et de nord. Ça, c'est une chose certaine. Je regarde tout de suite et je reviens vers vous. De toute façon, c'est pas grave, ça ferme tout le temps hein, pendant ce temps-là. Donc ça, c'est sympa. Alors, on m'a parlé de nord-est pour Axos Lot. Excuse-moi si je prononce mal ton pseudo, hein. Et le simulateur atomique qui me propose... Le terrain sud-est à 350 pièces. Eh ben écoutez, je vois qu'il va pas y avoir de soucis pour acheter les deux. Hein. Comme ça, ça sera fait. Et puis, petite parenthèse, pour les joueurs fans de simulation, Farming Simulator, hein, tout simplement, je vous conseille d'aller sur la chaîne du simulateur atomique. Je mettrai son lien dans la description de ma vidéo. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, ça détend, c'est sympa. On suit la vie d'un petit fermier sur sa ferme. Il évolue au fur et à mesure de ses vidéos. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors, je reviens donc sur ça. Donc, on a dit achat de terrain. Alors, on commence par le plus vieux commentaire, qui est donc le simulateur atomique, qui me parlait de 350. Pièce qui devait être et ce terrain en sud-est. Le terrain sud-est à 350 pièces. Ah, donc ça devait être celui-ci, mais en sud-ouest. Donc, parce que l'est, c'est là. Hein? Bon. Alors, je sais pas si vous voulez parler de celui-ci. Bon, tu me parles de 350 pièces, donc peut-être là. Je pense, hein, en sud. Après, là, ici, c'est beaucoup trop cher pour moi. Vous voyez le nombre de gelées, ici, là. Ah, une petite chose aussi, j'ai mis 3 piliers, hein, ici. Voilà, comme ça, ça ferme beaucoup plus vite. C'est pour ça que je montais assez vite en minerai et tout ça. Oh, mais quand je vois tout ça, mais comment je vais faire? Je vais mourir instantanément, quoi, c'est pas possible. Alors, 350 pièces. Bon, je pense que c'est celui-ci. Ah, la fée. Ça, c'est sympa. La petite fée. Ah, par contre, à la vitesse où...
la baliste en train de tirer là, je vais plus avoir de flèches. Hein. Ça c'est... Je peux en faire combien? Non, pas 999. 500, ça fait pas mal quand même, non? Bon allez, on va faire 500. Hein. Je peux me faire l'arc aussi, avant d'acheter l'autre terrain. Je vais me faire l'arc. Alors. Je voulais me refaire une forge. Voilà, je vais me refaire une forge. Je vais poser... un endroit où elle ne me gêne pas. Ah. Là, je peux pas parce que je suis... Est-ce que c'est moi qui me gêne tout seul ou pas? Est-ce que c'est moi qui me gêne? Je peux la mettre là, là, là. On va la mettre là, hein. Ici, je vais faire l'arc. Fabriquer. Voilà, comme ça, ça va m'être beaucoup plus simple. Et donc, le second terrain, qui est celui de nord-est. Donc, celui... alors, celui à l'opposé. Nord-est, 270 pièces, c'était ça. Donc, celui-ci. Voilà. Oh, un joli arc-en-ciel. Tu me fais découvrir, Axos. Joli arc-en-ciel. Je sais pas s'il y a une fonction, cet arc-en-ciel, mais on verra bien. Bah écoute, le simulateur, ce que tu m'as proposé, c'était, je pense, celui-ci. Hein. Bah, tu m'as proposé 350 pièces, mais comme tu dis sud-est, bah, je vais prendre celui-ci aussi. Oh, bah ça, c'est excellent, ça. Ça, c'est très bien. Allez, et comme je suis un fou... Ah, bah, je suis un fou, je gagne un arc, ça, c'est cool. Mon arc que j'ai construit. Ah, petite chose. Ah, voyez, vous avez peut-être dû voir cette petite chose là sur mes précédentes vidéos. Mes premières vidéos. Voilà, je suis vraiment désolé. Bon, je sais pas si ça vous a gêné, mais si vous l'aviez remarqué. Mais bon, moi ça me gêne un peu, c'est dommage. Ça fait pas partie du jeu, donc. Donc, ouais, je disais que comme j'ai 2000 pièces. Et ben, pour rester dans le nord, je vais acheter ici. Oh, bah voilà, l'arbre. C'est bien ça. Et puis, ça sera tout pour cette... pour l'achat dans cette vidéo. Bah, l'achat d'île dans cette vidéo, hein. C'est déjà pas mal, je trouve. Hein. Ça fait... Je devais en acheter que deux champs. J'en ai acheté quatre. Bon, là, je peux me le permettre, donc c'est cool. Avec toutes les pièces que j'ai farmées. Alors, est-ce qu'on va nettoyer en bas? Est-ce que je vais nettoyer en bas? Ouais, allez. Ah, désolé la poule. Ah ouais, attendez, il me revient quelque chose. Je vais voir dans les points de compétences. Parce qu'il me semble qu'il y avait quelque chose quand on tuait... Pillage, rapport des pièces. Tuer les ennemis vaincus, rapport des pièces. Donc ça, direct, hein. On va le faire. Alors, je sais pas. Par contre, oui, j'ai toujours le doute de savoir si les gelés sont des ennemis, considérés comme ennemis, car je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait une de mes compétences... Ah non, c'était les ailes de chauve-souris. Qui normalement redonnait de la vie, je crois, lorsque je tuais des ennemis, mais ça m'avait rien donné. Alors, je sais pas si c'était considéré comme ennemi les gelés. Alors, débloque les foreuses maritimes. Non. Inscription. Débloque l'étape d'inscription. Ça va peut-être aller par là. Ça, le textile. Débloque les bottes et les gants. Qu'est-ce que j'avais dit? Je ne sais plus vers quoi je voulais me aller. Je suis allé vers la cuisine aussi. J'ai encore deux points à mettre. Bon, ça c'était pour manger les un peu tout et n'importe quoi. Débloque la pelle. Ouais, ça c'est pas mal. Les moulins à vent et le pain. Donc ça c'est cool.
Les forges produisent 4 pièces supplémentaires. Bah oui, bah ça va être pas mal, hein, puisque maintenant je produis pas mal de pièces. Finance, débloque les banques. Et bah ça aussi. Pour gagner encore plus de pièces. Voilà. Alors. Allez, je continue. À faire le ménage. Par contre aussi, oh là. J'allais dire aussi sur ce jeu, il ne faut pas être épileptique, hein, parce que je sais pas si vous avez vu le nombre de choses qui peut s'afficher à l'écran. Ça peut être assez perturbant, hein. Oula, oula. Pas évident, hein, quand ils sont aussi nombreux que ça. Ça va, les flèches, ça fait pas de dégâts à mes piliers. Bah, mais oui, à mes piliers de minage. Alors, les flèches aussi, hein, ça sert à... Ça peut servir à casser un one-shot carrément le... Désolé la poule, mais il fallait que je fasse le ménage. Alors, ah, la fille n'est plus là. Je crois qu'elle apparaît la nuit, hein, donc si on a le temps de la voir pendant cette vidéo, j'irai la voir, voir ce qu'elle nous dit. Alors, on récupère tout ça. Ah bah ouais, ça me rapporte pas mal de pièces là, hein. C'est sympa. Allez, on va aller voir les autres là. Oh, j'ai failli re-sauter à l'endroit où j'étais. Ah, la nuit tombe, bah, c'est bien pour arriver. Voir la petite fée. Enfin, la petite grande fée. Bon, ça va, je suis pas en manque de flèches. 615 et ça continue d'en faire en plus. Donc, c'est cool. Donc là. Là, ce... Déjà là, à ce moment du jeu, hein, vous voyez que c'est quand même extrêmement automatisé, hein, tout ce que je... Ah, et ça va l'être encore plus, hein. Oula. Par la suite... Bon, que je fasse attention à... aux petits navets, pas les... Essayer de pas les tuer, hein, si je peux. Si je peux les sauvegarder, ça c'est sympa. Ce que je vais faire, c'est mettre une baliste à l'opposé de l'autre, donc c'est-à-dire ici quelque part, avec les pièces, hein, là ça... Donc c'est un moyen aussi de gagner des pièces et de laisser tourner son jeu comme ça. Il y a plein de gelées qui spawnent, des ennemis, et puis après on vient, et puis on les tue tous, et puis bah voilà quoi. Ça nous fait gagner un max de pièces. Pour annuler le tir, on fait comme ça, clic droit, ça annule le tir. Parce que là, j'allais tirer, mais comme il y avait les navets, je voulais pas toucher les navets. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Tissu royal. Je peux pas en faire beaucoup, ça, parce que j'ai pas de cuir, peut-être. Faire 5 cuirs. Le charbon. Voilà. J'ai débloqué la pelle. Hein. J'ai débloqué la pelle. C'est vrai que j'ai pas débloqué. J'ai pas deal avec. Avec des squelettes, il me semble. Je vais aller voir. Oula. Oula. Oh merde, zut. J'ai touché mes petits navets. Alors, je vais aller voir sur l'île là. Par contre, je remplis tout comme ça. Qu'est-ce qui m'apporte voilà. M'apporte quoi cet arc-en-ciel?
sais pas. Bah, le fait d'être joli, après, je sais pas. Alors, après, en bas, qu'est-ce qu'ici, il me semble que c'est un... C'est un musée, ça. On doit y poser... Alors, qu'est-ce qu'on va voir, ce qu'il dit. Bienvenue au musée, ouais, c'est bien ça. Nos collections sont plutôt modestes pour l'instant. N'hésite pas à les étoffer si le cœur t'en dit. Pour chaque collection achevée, tu auras une récompense. Ok. Et si tu les termines toutes, tu auras même droit à une récompense super spéciale. Ok, d'accord. Donc on peut voir que là, par exemple, je dois mettre de la pierre, du charbon, voilà, d'accord. Différents minerais. Ok, même des pierres ici, des gemmes, etc. Et là, un parchemin de minage. Vous savez, le parchemin, je crois que je faut que je fasse une table spécifique pour ça, hein, pour les fabriquer. Après, on peut les gagner aussi. Hein. Donc voilà, bah, ça c'est tous les, toutes les choses à remplir. Hein. Un peu tous les, on peut voir, hein, tout, c'est un peu tous les items du jeu, hein, en quelque sorte. Voilà, ok. Ouais, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à déposer. Ok, bah écoutez. Est-ce que je peux déjà déposer quelque chose là? Ah, peut-être... Ah bah ça, voilà, je peux déposer ça déjà. Alors, on va faire... Terminé, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça aussi. Des œufs. J'en ai 18, allez. Donner des œufs. J'ai pas, j'ai rien d'autre là. Les navets, j'en ai pas là. Ah, 117 navets, je peux compléter les navets. Donc après, il faudra que je fasse pousser les choses. Et là, c'est quoi? C'est un œuf d'or, ça. Ok. Donc je pense qu'on doit pouvoir avoir une chance d'avoir ça sur les poules. Ok. Bon, on va essayer de compléter cette petite quête concernant les... Le farming. Alors, donc une baliste. J'ai dit que j'allais construire une baliste et que j'allais la mettre à l'opposé. Je vais la mettre ici pour pas gêner. Parce que là, si je pose encore des choses, ça ne me gêne pas. Donc, si j'ai un pied de minage. La pelle, oui. C'est vrai que j'avais débloqué la pelle. La pelle. Ah oui, c'est ça, j'ai débloqué la pelle. Voilà, je fabrique une pelle. J'ai débloqué aussi... Ah zut, j'ai débloqué le... Les banques. Alors les banques, je peux en faire des banques. Bah oui, excellent. Alors, où est-ce que je vais les poser? Je pense qu'ici. La pelle. Creuser la terre pour planter ou trouver des objets. Ok. Donc, ça marche pas bien comme ça. D'accord. Là, on creuse, d'accord. C'est un par un. Manque d'énergie. Manger du poisson. Qu'est-ce que j'ai débloqué d'autre? La magie. J'ai rien débloqué dans la magie encore. Oui, ça va assez vite à monter en XP. Hein. Et 200 lingots. Pelle. Équipement, donc ça c'est la pelle aquatique. Bon, je vais la faire aussi, hein, direct. Je vais faire des petits ponts ici, là. Pour pouvoir passer facilement. Je comble tout ça. Hein. Je m'embête pas. Ah, c'est vrai, j'ai oublié d'aller voir la fée. Oh là. Et vous me l'avez pas rappelé. Ah, oui, logique, vous ne pouvez pas me parler directement. Des ponts. Je vais essayer d'aller voir l'arbre là. Oh, ah, j'ai pas vu. La
Pelle aquatique. Alors, pelle aquatique, zone de forage agrandie, creuse, irrigue la terre. D'accord. Ok. Ah oui, donc là c'est par 4. D'accord. Ouais, mais carrément, à l'arc, ça farme aussi, quoi. À l'arc, et puis on débloque... les flèches par 3, c'est quand on débloque les balistes, hein. Comme j'avais débloqué les balistes. Avant, je crois. Il me semble que j'ai tué un navet, là. Hein. Je suis vraiment désolé, c'est dommage collatéral. Alors, qu'est-ce qu'il dit, petit homme, là? Tu tombes à pic. Ok. Des petits saligots armés de pioches épuisent les ressources naturelles. Ah. Je me sens un peu visé là, mais apporte-moi deux flamouches que je puisse les protéger du danger. Ok, les flamouches. Ok. Écoute, oui, on va faire ça. Donc les flamouches, c'est ça. Il faut le mettre en bocaux. Je fabrique des bocaux. Et j'ai pas de verre. Ok. J'ai pas de verre. Verre, ça se fabrique dans... Je vais refaire une forge, donc. Un fourneau, du moins, pas une forge. Allez, soyons fous. Du verre. Je peux pas en fabriquer beaucoup, hein. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup de sable, c'est pour ça. J'ai une chance de récupérer du sable comme ça. Ouais, voilà. J'ai une chance de récupérer du sable. Mais bon. Pas tant que ça non plus. Ah oui, je vais pouvoir aller voir la fée, hein. Alors. La fée, où es-tu déjà? Tu es à gauche, là, totalement. Ouais, voilà. Oula. Ah, il y a des petites... je sais pas comment c'est, ça c'est des lucioles, des fées. Des mini-fées. Ah, et ça donne de l'XP. Donc voilà, bon, ça c'est cool. Il disparaît, ça donne de l'XP, donc ça c'est cool. Oula. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Très cher enfant, oui. Laisse mes fées soulager ton corps exténué. Oui, pas de souci, je veux bien. Je dois te demander une modeste contribution. Je te récompenserai avec le pouvoir de mes fées. Puisse la lumière te guider dans ta quête. D'accord, donc tu me demandes 1000 pièces que je peux te donner tout de suite. Ça, c'est cool, hein. Merci. Ah, il y a un petit problème au niveau du... transcription là même. Merci, c'est si aimable. Prends ceci en gage de ma gratitude. Ami des fées, aide la reine des fées. Prix. Donc j'ai gagné une petite... prix, j'ai gagné quoi? J'ai besoin d'une clé. Ok. J'ai gagné le coffre. Une clé. Je la fabrique là. Hein. Fabrique-moi la clé. Ah, ici, je pourrais mettre un pied de minage. Pour farmer tout ça. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je le pose là où... Il faudrait que je le pose au milieu. Ça serait plus simple. Hein. Je vais casser ça. Voilà. Voilà. Il va travailler tout seul. Ma clé, alors, m'a fait ma clé, la Miyuzu. Elle est dans mon inventaire, donc c'est bien. Aura Fairy, confrère une régénération passive des P et de l'énergie. Des P, ça veut dire quoi? Bon, je sais pas ce qu'il veut dire. Je comprends pas bien ce qu'il veut... Pas grave. Alors, j'étais voir ici.
Il y a cette île là, bon lui je l'ai vu, ok, l'arc-en-ciel, bah je l'ai vu aussi. Flèches. Il faudra que je pose des piliers ici, hein. Voilà, il faudra que je pose des piliers ici, parce que là, je suis un peu gêné. Acier. Ah, on peut voir que, oui, ça demande... Ça demande plus d'acier, il me semble, là aussi, hein. À chaque fabrication. L'acier, je peux en faire combien? 55. Bon, allez, vas-y. Charbon. Posséder 5 cotes charbon. Ouais, non, je vais pas en fabriquer, hein, j'en ai largement suffisamment. Assez. Matériaux. Ouais, non, je sais pas si je veux. Bon, j'en ferai si j'en ai besoin de ça. Arc crâne. Ouais, donc ça me faut des os. Bah là, oui, il faut des os. Faut acier, c'est quoi ça? Pelle de nomade, ok. Bon, les pièces. Je vais fabriquer ces dés. Oui, j'étais en train de me poser la question avant d'aller voir les... C'est de poser... Où poser mes banques? Parce que j'aimerais peut-être faire, à la fin de cette vidéo, c'est poser les banques. Mais où les poser? Je vais peut-être les poser autour de... Autour de, du musée, hein. Je pense que ouais, ce serait bien, c'est une zone, où je vais pas poser de choses à, pour construire, pour crafter, donc je vais poser mes banques ici. Alors. Mais c'est vrai que je vais attention, j'ai une encre là dans mon inventaire. Il me semble qu'on peut la donner au musée. Bah c'est oui, si on doit tout, on doit donner tous les items du jeu, on doit pouvoir donner l'encre. Alors je vais voir ça. Alors où est-ce que ça pourrait être? Pas dans le minage, hein, je pense pas. Non. Construction, archéologie. Ah, c'est peut-être une norme. Ouais, l'encre. Ouais. Voilà, une encre. Allez, hop. Ok, après, il y a différents, vraiment des trucs. Ok, bon. On va choper tout ça. Alors. Culture, je vais poser ça comme ça. Et les banques. Alors, économie, banque. Bon, je posais là. Banque. Ah, il faut des lingots. Hein. J'ai pas. Ah, il faut vraiment des. Pas beaucoup de lingots en fait, hein. Bon, peut-être parce que j'ai fait beaucoup de. Ouais, je suis en train de faire de pas mal de. Bah, ouais, je fais pas mal de pièces. Non, bah non, je fabrique pas de pièces. Hein. Ouais, j'ai pas beaucoup de lingots de. Bon, après, je suis en même temps, je suis en train de faire de l'acier là. Enfin, de l'acier et du fer. Donc, bon, l'acier ici, ouais, ça coûte assez cher. Qu'est-ce que je voulais faire? La pelle de nomade, bon ça me faut du sable et des bouteilles. Et j'avais construit du verre pour... Je ne sais plus, je me suis égaré. Oh, j'ai le moulin, la cocotte aussi que je peux construire. Voilà, oh, magie, j'ai rien. Ah oui, c'était pour capturer une flamouche. Donc, je vais faire des bocaux. Flamouche. Je sais même pas si j'en ai vu. Ah bah si, il doit y en avoir. S'il m'a demandé d'en capturer, il doit y en avoir près de son arbre, non?
Est-ce qu'il y en a par là? Pas trop de flamouche. Hein. Pas trop de flamouche par ici. Il en faut deux. Ah oui, il en faut deux. Quoi, j'avais cru une flamouche. C'est une ou un flamouche. Pas fait attention. Je vois pas de flamouche. Alors, bon, non, je vois pas de flamouche. Tandis que, bah voilà, mes banques. Oh là! Voilà, j'ai failli me faire avoir, j'ai encore failli reculer. x9, bon là c'est un peu embêtant, c'est qu'on voit pas bien, mais bon, ouais, ils nous produisent donc. Ils me produisent des pièces, donc c'est cool. Alors, bâton de minage, vous avez dit que je voulais poser un bâton de minage ici. Ce que je vais faire tout de suite. Je vais poser là-dessus. Ça gêne pas. Voilà. Et là. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas été voir dans l'arbre. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la personnalisation. Alors, lunettes de geek. Vase de terraria. Adepte lunatique. Plantera ou plantera. Tailleur. Ok. Corps, on va mettre. Poisson. Corps par défaut. Poisson, d'accord, ok. Sac à dos chic. Bon, ça, c'est le sac à dos. Sac à dos. Rudimentaire. Ce petit sac à dos. Sac à dos moyen. Aile de vampire. Pas d'aile. Aile de fée. Ah, bah tiens. Les ailes de... Ah oui, donc c'est ça que j'ai gagné tout à l'heure. Les ailes de fée, ça te donne... un bonus en plus, d'accord, par rapport aux ailes de chauve-souris. Ok, bon, je vais garder les ailes de fée. Puis au niveau de la tête, bah tiens, dites-moi, ah bah tiens, il a la couronne, les oreilles de lapin, sombrero. Dites-moi ce que je choisis en tête. Gamme kid, peau de raton laveur, feutre, chululu. Chapeau gluant, chapeau de ramoneur, chapeau à sous, donc c'est une pièce, clairement, bandeau à plumes, lunettes de geek, voilà. Je repasse un peu. Dites-moi ce que vous aimez, et puis en fonction de ce que vous me dites... Bon, forcément, si vous me donnez pas la même chose, j'essaierai de voir comment je choisis. Et même à la rigueur, j'ai peut-être une idée. Encore mieux, je vais faire un... On va poster un sondage. Et ça pourrait être sympa. Je vais mettre un sondage. Bon, je vais essayer de marquer tous les têtes disponibles. Moi, je remets mes lunettes de geek. Où sont mes lunettes de geek? Voilà, mes lunettes de geek. Et puis, ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais faire un sondage et puis. Voyez ce que vous... pourquoi vous votez, hein. Puis on verra le pourcentage plus élevé, et je m'équiperai de ça. Bah écoutez, sur ça, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.